Information sur le Doge, smartphone Doge T6. Donc attention, ne pas acheter ce téléphone. Il est vrai que quand on le voit, il n'est pas cher. Après, suivant les sites, voilà, ici, voilà, je prends un exemple, hein, je ne suis pas allé sur Gearbest exprès. J'ai pris cette adresse internet parce que, voilà, c'est bien détaillé, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le Doge T6? Il fait 5,5 pouces. Donc, smartphone sous Android. Voilà. Ensuite, 13 mégapixels photo. Donc là, c'est très attirant. 4 corps, ok. En général, les derniers modèles font 4 corps. Je dis bien en général parce que pas tous. Et là, ce qui peut éventuellement nous aguicher, c'est la batterie. 6250 mAh. Je vous laisse imaginer l'autonomie de la batterie. Voilà. Actuellement, les téléphones font entre 3 et voilà, on va dire entre 3 et 4 000. Les téléphones à peu près dans cette gamme de prix. Voilà, on va dire c'est plus dans les 3 000 mAh la batterie. Là, elle fait 6250. Donc ça veut dire deux fois plus. Mais gros problème, c'est que elle chauffe et bah, risque d'explosion. Et voilà. Donc j'ai pris quelques commentaires sur Amazon, voilà, Doge T6, voilà, on voit ici, ok, chauffe, tactile fou au bout de à peine 2 mois, oui, bah c'est normal, vu la batterie, comment elle est puissante, le tactile, je pense qu'il doit pas suivre, donc c'est bien, il devient bien fou. Attention, cet appareil est livré avec un virus, c'est possible, parce que moi, j'ai déjà eu des Doge. Il y en a certains qui n'ont pas de virus et d'autres qui ont un virus, voilà. Virus, c'est le mot en général, hein. On va dire que c'est plutôt un malware qui fait que ça télécharge des applications malveillantes. Voilà. Et après, bah, ça les installe sur votre téléphone et ben voilà. Produit défectueux, service après-vente inefficace. Oui, c'est possible. Voilà. Voilà. Bon, il y en a certains qui mettent génial, mais bon, vous savez, les commentaires, des fois, hein. Voilà. Je pense qu'il y a des commentaires, c'est mis exprès pour vous faire acheter. Voilà. Surtout quand vous voyez des commentaires comme ça. Voilà. Une batterie vraiment impressionnante, machin. Et vous allez me faire croire que la personne qui a mis ce descriptif-là, là, celui-ci-là, elle a mis de là. Alors regardez un peu la longueur de son descriptif. Et le mec, il a tout détaillé. Bon, il a tout simplement fait, je pense, déjà un copier-coller par rapport au site Doge. Voilà. Vous allez me faire croire qu'il s'est embêté à faire tout ça. Voilà. Et qu'il a mis 36 000 photos. Voilà. En plus, regardez les photos, on voit bien que ce sont des photos prises sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Faut pas être con. Bon, je prends celle-ci, excusez-moi. Déjà, ça voudrait dire qu'il a deux téléphones. Excuse-moi, mais comment tu fais pour avoir deux téléphones? Peut-être que tu l'as scié en deux et t'as mis, voilà, et t'as fait voir les deux côtés. Mais je pense pas que tu l'auras scié en deux. Donc déjà, voilà, grosse arnaque là-dessus. On voit bien que ce sont des photos prises déjà sur le site Doge ou compagnie. Donc méfiez-vous des commentaires comme ça là où le mec il fait un roman, je sais pas ce qui branle, mais vas-y. Rentre chez toi mec, voilà. Donc attention ce téléphone-là, ça chauffe et voilà. Donc ça c'est pour vous informer sur ce modèle-là. Et je peux vous certifier aussi que les Doge ont, voilà. Des fois il y a des virus, c'est sûr et certain. Bon, pas tous, hein, parce que j'en ai déjà eu qu'il y avait zéro. Bon, mais voilà, donc méfiez-vous celui-ci, Doge T6, que ce soit le T6 ou le T6 Pro, attention les batteries, si elles dépassent les 4 000 mAh, il y a des risques. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais méfiez-vous, voilà, et rappelez-vous ce qui est arrivé au smartphone Samsung, hein, la batterie elle chauffait, il avait inventé, je crois, une batterie, bah, pareil peut-être, une batterie super puissante, mais le problème c'est que. C'est testé pendant quelques jours, voire quelques mois, mais voilà, au bout de quelques mois, ben, paf, elle explose. Alors je vous laisse imaginer si elle vous explose en pleine gueule. Voilà, désolé pour de dire ça comme ça, mais méfiez-vous quand même. Voilà. Voilà pour l'information Doge T6, méfiez-vous. Et information supplémentaire, quand vous choisissez un smartphone, donc comme je vous dis, maximum batterie 4000, grand maximum, ça c'est mon avis perso. Appareil photo minimum 5 mégapixels, je dis bien minimum 5 mégapixels et pas interpolé, voilà, parce que ça peut être 2 interpolé 5, donc là bah,
c'est pas la peine. Les photos, c'est très moyen. Que vous dire de plus? Privilégier donc minimum 5 mégapixels. Privilégier aussi les 4 cores. Voilà, faites attention parce que des fois, ce sont simplement des dual cores. C'est le processeur, donc ça veut dire 4 cores. Il y a 4 processeurs, dual core, il y en a que 2. Donc là, ben, la rapidité, le 4 va beaucoup plus vite et deux fois plus vite. Voilà, notamment si vous allez sur Internet et tout pour charger les pages. Voilà, de toute façon, n'achetez pas tout ce qui est dual core. Voilà, deux cores. Prenez au minimum 4 cores. Après que ça fasse 1 GHz ou 1,3, vous savez, vous n'allez pas vous en rendre compte, hein. 1 ou 1,3, c'est pareil. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné une information. Après, bah, c'est pour ceux surtout qui ne sont pas au courant. Voilà. Et n'achetez pas les yeux fermés. Méfiez-vous aussi des prix alléchants, hein. Bon, voilà.